Bonjour à tous, donc petite vidéo sur la suite des styles. Donc le document Word sur lequel je me base, c'est en fait celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur les styles. Et là donc je continue. Donc j'ai d'abord créé mes styles, ensuite je dois créer la hiérarchisation de mes titres. La hiérarchisation c'est quoi? C'est en fait les numéros qu'on va donner aux titres. Donc par exemple 1, introduction, A, mes attentes par rapport au stage, B, un autre sous-titre, c'est un autre sous-titre, etc., etc. Pour déterminer les niveaux, il faut évidemment avoir lu au préalable le texte, ou si c'est votre propre travail, vous avez évidemment votre plan, soit par écrit, soit en tête. Alors, je vais en fait travailler ici avec mon rapport de stage, donc c'est un exemple, et dans mon rapport de stage, en fait, j'ai créé deux niveaux de sous-titres. Deux niveaux de titres, c'est la même chose. Alors, il y a une règle dans la hiérarchisation, c'est en fait que si vous avez deux niveaux de titre, le titre principal sera hiérarchisé par un chiffre arabe, et que le deuxième niveau de titre, ce sera une petite lettre, A, B, C, D, etc. Si vous avez trois niveaux, le titre principal prendra en fait un chiffre romain, ensuite un chiffre arabe et ensuite une lettre. Si vous avez quatre niveaux, on va débuter par le chiffre romain, une lettre en majuscule, un chiffre arabe et une lettre en minuscule. Alors ici, je vais vous montrer l'exemple avec deux niveaux. Donc j'ai mon premier niveau qui est introduction et mon deuxième niveau qui est mes attentes par rapport au stage, durée et période. Alors mes styles étaient déjà préparés, donc quand je sélectionne mon style, en fait, il encadre le style qui est propre. Donc, en fait, j'ai appliqué précédemment le style 01, titre principal 01. Et dans mon sous-titre, j'ai appliqué 02 sous-titre. Donc, il faut évidemment se souvenir de des noms que vous avez donnés à vos styles. Alors, pour faire la hiérarchisation, c'est très simple. Vous allez donc activer l'onglet Accueil et vous allez aller dans le groupe paragraphe. Dans le groupe paragraphe, vous avez un petit bouton qui s'appelle liste à plusieurs niveaux. Voilà, donc si vous laissez l'infobulle, vous avez la petite explication au niveau du bouton. Donc je vais appuyer sur la flèche et là donc j'ai ceci qui apparaît. Donc c'est un menu avec liste actuelle et différentes bibliothèque des listes. Donc en fait, elles sont déjà créées par Word. Le problème, c'est qu'elles ne correspondent pas au niveau que j'ai moi dans mon travail. Donc je vais devoir en créer une. Donc je vais aller cliquer dans définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Alors c'est très simple. Le problème, c'est qu'il faut travailler par méthode et vraiment du début à la fin. Donc la même chose. Donc ici, ma boîte se présente comme ceci. La première chose à faire, c'est d'aller cliquer sur plus. Et en fait, en appuyant sur plus, votre boîte de dialogue s'agrandit. Alors, je vais expliquer la boîte de dialogue pour que vous puissiez la manipuler correctement. Donc, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'à 9. Ça représente en fait les niveaux de titres que vous pouvez avoir dans un document. Alors, Word est allé jusque 9, mais nous, on n'a pas. Enfin, moi, en tout cas, dans mon travail, je n'ai pas 9 niveau, j'en ai que deux. Et vous voyez à chaque fois quand on clique dans un numéro, donc il y a un retrait qui s'effectue. Alors, évidemment, on débute par le premier niveau, donc c'est mon titre principal dans ma hiérarchie des titres. Donc, je dois d'abord cliquer sur 1. Alors, le 1, en fait, il faut le faire correspondre au style qu'on a créé précédemment. Donc, ici, on va aller dans style à appliquer à ce niveau. Je vais aller dans le menu déroulant. Et là, dans le menu déroulant, en fait, c'est ce qui correspond à la galerie des styles que vous avez là au-dessus. Et donc là-dedans, vous devez retrouver la création de votre style. Donc moi, mon style numéro 1, enfin en tout cas celui qui apparaît dans la hiérarchie au niveau du principal, c'est celui-ci. Donc 01, titre principal 01. Alors, comme je n'ai que deux niveaux, je vous ai donné tout à l'heure la règle qui était que quand on a deux niveaux, le titre le plus élevé aura un chiffre arabe. Alors, il est là, donc mon chiffre arabe, donc 1, avec la parenthèse. La parenthèse, je vais l'enlever parce que ça fait un peu de trop. Et vous voyez que le 1 est en grisé, ça veut dire que vous ne savez pas bouger. Par contre, la parenthèse, vous avez vu, j'ai pu l'effacer. Je vais rajouter un signe degré.
à mon 1. Et vous voyez en fait ici dans l'aperçu, ça s'applique également. Alors si jamais vous n'aviez pas le 1 qui est ici, donc le 1 chiffre arabe qui apparaît, vous allez le rechercher ici. Vous allez ici dans le style de nombre et vous avez donc toutes les plein de possibilités en fait. Donc voilà. Donc moi c'était déjà mis par défaut. Alors, ensuite, on va aller ici dans la position. Donc, l'alignement, on va le mettre à 0. En fait, ici, l'alignement, c'est l'alignement contre la marge de gauche. Donc, je veux que mon numéro soit aligné contre la marge de gauche et qu'il soit aligné à 0 cm. Tandis que le texte, donc le texte, bah, ici, en l'occurrence, c'est introduction. Introduction va être placée à 0,63, sauf que 0,63 cm, c'est la valeur par défaut dans Word. Je vous avais expliqué au préalable avec les énumérations, souvenez-vous, donc les espaces c'était toujours 1 cm. 1 cm c'est facile à retenir. Donc ici on va aussi calibrer à 1 cm. Donc ça veut dire que mon texte va débuter à 1 cm ici au niveau de la marge. Donc il y aura un retrait. Ça va? Alors, vous pouvez faire suivre le numéro d'une tabulation. Vous voyez ici, donc vous avez tabulation. Vous allez cliquer sur tabulation, donc ajouter un taquet de tabulation. Et là, on va faire correspondre le taquet à 1 cm parce qu'il correspond à d'autres textes. Alors, je n'ai pas fini. N'allez pas appuyer sur OK pour faire votre deuxième niveau. Non, il faut tout faire dans la même boîte, sinon ça va déconner. Alors, maintenant, je vais m'attaquer au deuxième niveau. Donc, je vais cliquer sur 2. Voilà. Donc, 2, je vais l'appliquer à mon style que j'ai créé qui s'appelle 0 sous-titre. Vous voyez, donc, il remet dans l'aperçu 02 sous-titre. Alors, mon deuxième niveau, c'est une lettre en minuscule avec une parenthèse. Je vais le laisser comme ça. Et là, je vais aller travailler la position. Donc, on va toujours travailler en cascade pour visuellement déjà montrer la hiérarchisation, notre plan, en fait, le plan de notre travail. Donc, alignement, on ne va plus mettre 0,63, mais là, on va mettre 1 cm. Pourquoi 1 cm? Parce que si vous regardez l'aperçu ici, vous avez une cascade, vous avez un escalier à l'envers, enfin vous avez un escalier en fait, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, présente la hiérarchisation déjà de votre plan de travail, donc des idées en fait, des paragraphes, etc. 1 cm. Et puis le texte, eh bien on ne va pas le mettre à 1,27, mais on va le mettre à 2, on va toujours faire plus 1 cm. Pourquoi? C'est une valeur qu'on retient facilement. 1 cm partout, ce sera beaucoup plus propre. Je vais rajouter ici, donc en bas, faire suivre le numéro d'une tabulation. Donc je coche ajouter un taquet de tabulation. Et le taquet de tabulation, on va le faire démarrer à 2. Donc en fait, la valeur que vous allez encoder ici, 2 cm, elle doit être la même chose que pour le texte. Donc en fait, elle se réfère au texte. Donc 2 cm, 2 cm. Ici, j'ai fini, donc là, logiquement, je vais appuyer sur OK pour valider. Maintenant, si vous avez un troisième niveau, eh bien c'est pareil, vous cliquez sur 3, etc. et vous paramétrez votre troisième niveau. Alors, je vais valider par OK, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Il m'a bien indiqué 1 introduction, donc il m'a mis 1 à mon titre principal. À mon sous-titre, il a mis A avec une parenthèse. B, etc. Et maintenant, donc en fait, il l'a fait à tous les titres auxquels j'ai appliqué un style. Maintenant, si vous n'avez pas appliqué les styles partout, c'est pas grave, il va quand même appliquer la hiérarchisation. Alors, logiquement, maintenant, votre texte qui est ici, il faut le faire démarrer à 2 cm. Donc ici, en dessous mes attentes. Donc mes attentes débutent à 2 cm, je le sais parce qu'en cliquant sur 2, je vois que mon texte est aligné à 2, donc logiquement votre texte doit démarrer à 2 cm. Donc je vais appliquer un retrait gauche à 2 cm. Voilà ce que ça donne. Alors si jamais vous n'avez pas assez de place et que vous vous rendez compte que c'est vraiment trop décalé parce que vous avez beaucoup de niveaux, c'est pas grave. Ne le faites pas commencer à 2 alors, mais vous pouvez le faire commencer à 1. Donc au lieu de mettre 2, vous mettez 1 et voilà ce que ça va donner. D'accord? Donc ça c'est vraiment pour les textes dans lesquels il y a énormément de retraits parce que vous allez avoir beaucoup de retraits et plus vous allez avoir du retrait, plus votre texte va évidemment être petit.
Donc il faut évidemment appliquer le retrait partout. Donc soit vous mettez 1, soit vous mettez 2 en fonction évidemment des niveaux que vous avez. Voilà, donc pour ma part, je dois évidemment maintenant le calibrer partout. Si vous avez un tableau, vous pouvez toujours le laisser comme ça parce qu'ici, mon tableau qui va commencer à 1 ou à 2, il va être réduit, ça ne va plus être lisible, donc je vais le laisser comme ça. Par contre, les textes partout ailleurs, il faudra évidemment le recalibrer. Je vais laisser à 1, voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sera utile dans votre travail. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.